comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha de Chapralet, c'est un morceau qui est composé de trois parties, couplet, refrain et pont. Pour jouer dans la tonalité originale, on va mettre le capot en 3. Le couplet et le refrain sont composés des mêmes accords, il y en a 4 en tout. Mi mineur pour commencer. Do majeur. Sol majeur. Et Ré majeur. La seule différence qu'il va y avoir entre le couplet et le refrain, ça sera au niveau du rythme. Donc on commence tout de suite par le couplet. Premier accord, mi mineur. Et au niveau du rythme, ça va nous donner ça. Ba, au stop. Quand je dis stop, c'est le fait de mettre sa main sur les cordes pour étouffer le son, et on va essayer dans l'idéal d'avoir le médiator vers le haut pour pouvoir rejouer tout de suite après. Ok, lentement. Ba, au stop. Ensuite, on va se mettre sur Do majeur, et là, on va jouer. Ba, au, ba, 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 au. Le dernier coup vers le haut, on va enlever ses doigts pour jouer les trois dernières cordes à vide. Je recommence pour le Do. Ba, au, ba, 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 au. Donc les deux premiers accords avec le rythme lentement, ça donne ça. Ba, au, stop, ba, au, ba, 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 au. Pour le sol, on va faire comme pour le mi mineur, ba, au, stop, et pour le ré, comme pour le do majeur, ba, au, ba, 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 au. Sans parler et lentement, ça va nous donner. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Il va falloir donc jouer 6 fois cette partie-là, et ensuite vient le refrain. Comme je vous l'ai dit, c'est les mêmes accords, c'est simplement le rythme qui va changer, et ça va être assez minime. En fait, sur le mi mineur, on va devoir jouer ba, au, ba. C'est la seule différence. Sur le mi et sur le sol, on va jouer ba, au, ba au lieu de ba, au, stop. Donc ce qui va nous donner ba, au, ba, ba. O, ba, 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 o, ça, ça ne change pas. Ba, o, ba. Et pour le ré, pareil. Ba, o, ba, 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 o. Ça donc, c'est le refrain, lentement, sans parler. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Et enfin, dernière partie, le pont. Le pont, il est composé, pour commencer, de La mineur et de Fa majeur. Le rythme, ça va nous donner ça pour ces accords. Ba, au, ba, ba, au, ba, 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 au. Et encore une fois, on va enlever ses doigts sur le dernier coup vers le haut. Lentement. Ba, au, ba, ba, au, ba, 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 au. Sur chacun des accords, qu'on va devoir jouer 2 fois d'affilée en tout, ce qui va nous donner d'abord pour La mineur. Ba, au, ba, ba, au, ba, 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 au. Le Fa pareil. On recommence. Ensuite, on va passer au Ré mineur, on va jouer une fois le rythme. Ensuite, Sol majeur, on va jouer une fois. Mi majeur. La mineur. Et on va terminer le pont avec Fa majeur une fois, Ré mineur et Mi majeur 2 fois. Rapidement, le pont en entier, ça va nous donner ça. La mineur, Fa. Fa, Ré mineur, Sol, Mi majeur, La mineur, Fa, Ré mineur, Mi majeur 2 fois. Et après ça, on reprend le couplet. Comme si
qui n'existait pas. Elle est passée à côté de moi. Voilà, c'est un morceau qui est pas très compliqué, mais ça fait bien travailler le rythme, donc n'hésitez pas à vous entraîner là-dessus. Je poste un nouveau tuto tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ciao! Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Aïcha.